Voilà, entre Caen et Petit Port. Il y a parfois pas mal de ronces et d'autres choses. Mais je suis de plus en plus confiant avec l'équilibre de la machine. Il n'y a plus qu'à mettre quelques moteurs supplémentaires. Une traction pour équilibrer le module, une traction à l'avant, une deuxième roue à l'avant et deux roues à l'arrière pour aller dans l'autre sens. Et le problème est réglé. Si on veut aller un peu plus vite, il faut simplement mettre des moteurs plus puissants. Il y a des déformations dans les voies, mais c'est pas du tout sensible. Ce qui améliorerait très fort le système, c'est de rajouter un moteur sur l'autre rail. Et donc il y a plus de déséquilibre d'accélération. Et oui, et aussi de mettre des freins parce qu'il n'y en a pas encore. Voilà. On arrive au passage à niveau. Comme il n'y a pas de frein, je suis obligé de ralentir depuis très loin en avant. Voilà, c'est reparti. Un petit 50 km/h, ce qui n'est pas mal du tout. Mais la végétation commence à pousser. Voilà, il y a deux biches devant nous, je ne sais pas si vous les avez vues, elles ont quitté vers la gauche. Énormément de buissons au milieu des rails. Ça ralentit assez fort, mais ce n'est pas dangereux. Il y a des ronces sur le côté qui sont coupées par un système de couteaux sur le bord du rail. Je vais aller jusqu'à la halte. Voilà un deuxième passage à niveau, celui que j'appelle de Petit Port. C'est assez dangereux parce qu'on ne voit pas du tout les voitures ni dans un sens ni dans l'autre.
côté droit avec le moteur avant, un frein à disque mais il n'est pas installé. L'attaché caisse avec batterie et contrôleur de moteur et la roue arrière. D'une simplicité. Il y a des hélicoptères qui me non, semble pas être intéressé par moi. Par contre, il y a la roulette avant gauche, mais c'est une roulette qui est relativement rigide, qui chauffe évidemment. Il faut que je la remplace par une roulette caoutchouc comme celle qui est à l'arrière, la roulette orange. Des petites améliorations à chaque fois à faire. Voilà, je vous quitte, je vais faire demi-tour.